Hello, on vient de rentrer de chez maman. On va ouvrir les calendriers parce que Tiffany n'a pas dormi à la maison. On est le 4? Oui, on est le 4. Alors, numéro 4. What is it? Allez, on va préparer le tien. Va chercher le tien, le 4. Il est où? Oui, je l'ai déjà pris parce que j'ai été lavé. Ah d'accord, toi tu l'as pris ce matin. C'était en Kinder. Oh. Alors... Allez, tiens, voilà. Les accos. Oh non. C'est quoi? Au chocolat. Ça, ça doit être un gloss. Un gloss. Un gloss. Maman, regarde, maman, ils sont radins. Non, c'est la taille des chocolats. Ils sont radins. Alors, Kezako. Le 5. C'est, ben, c'est un gloss, hein, Tiffany. Deux secondes, chérie. C'est un gloss. Ouais, c'est un gloss. Comme ça, c'est un gloss. Attends. Mon château, c'est un gloss. T'as pas ouvert les 4. Mon joli petit chat. Oh. On n'a pas été nadé toute la journée. J'ai les petits bâtards. Les 5, je vais avoir un. Oh. C'est le gros sac. Hein. Regarde, le 5. Le gros sac à patate. Le chocobon. Même le 6. Même le 1. Même le 12. Allez. Allez, rentrez les plantes. Là, ils vont rentrer les plantes. Alors, je vais vous mettre la séquence de chez maman tout de suite. Déjà tous les 15 jours. Chiant, elle. Bah, elle me met tous ses bras dans mes mains. T'as sorti les assiettes? Non, pardon. Oh bah, la vie, elle va faire 2, 4, 5, 6, 7. 8 avec Morgane. 8 maintenant, elle mange avec les grands. Ah bah, ouais. C'est normal. Hein. Ça lui fait 15 ans. 13 ans. Ah, 13 ans. 13. Ah, non, on va pas tôt. Elle est dans sa 14e année. Tu mettras dans le sèche-linge, tu sortiras l'autre. Mamie, elle va plier. Après, c'est des serviettes et des dessins. Non, oh là, c'est bon. 3, 3, 6, 7, 8. Par contre, Joaquin, il faut prendre des cuillères là-bas. Ici en bas? Ouais. Ouais, parce qu'il n'y a plus là-bas. Il t'en faut combien? Merde. Ben moi, je tricotais, j'écoutais la télé en même temps et puis je me suis rendu compte qu'il était 9h. Bien. Bonnière me dit, moi j'ai regardé la télé, mamie, mais toi tu t'es endormi. J'ai tout mort. Comme d'hab. J'étais mort. Deux, on en a manqué. Quatre. Ici. Là, là, René. Et tu vois, c'est bon. Les gamins, ils vont les ramener, vous inquiétez pas. Celui qui veut une chaise, celui qui veut s'asseoir, il prend une chaise. D'accord? On va mettre Cyril entre nous. Bon, Cyril, il s'en fout. Et Lydie, où elle est? Elle est partie avec la mère. Sur une chaise. Personne n'a vu quoi. Non, mais on va reprocher. Bah, il est tout, il veut. Si Lydie a ce mis-là, Cyril-là, on s'en fout. Bon, il m'en fout. Non, mais j'irai à côté de Lydie. Bah, Lydie, où elle sera là ou elle sera ici? Alors, elle sera à côté de nous. C'est le problème des lunettes, ça. Thank you.
plus clair. De quoi? Non, mais ça va. Là, une bouteille quand même. Sans lunettes, c'est bon. Sans lunettes, c'est à l'odeur. Elle adore à quoi? Ah, ici, de quoi c'est autre? Elle vient mettre Cyril à côté. Quoi? Pour refaire. Le loup, il est beau. Il est bien. Que tu fais de dragon, là, ah, tu lui as dit que tu voulais un dragon pour moi? Ah non, mais là, je suis en train de regarder. Ah, envoie-lui tout de suite un message. Prends celui dans Game of Thrones, là. Ouais. Mets-toi sur Majestic. Déjà, abonne-toi à sa page. Ça va lui faire de la vue. Attends. Est-ce que j'en avais trouvé un? Il faut que je fais mes ongles parce que j'ai vraiment sans le tatouage. Hey, les faux ongles. Ouais. Ça tient du feu de Dieu en fait. Ah ouais. Bon bien sûr, tu décapsules pas une canette ou quoi. Hein. J'ai changé mes draps. Je les lave tous les jours quand même. Mais non. Non, moi je me suis... Bah non mamie, hein, mais moi je me suis lavé tous les jours. Non, ah non, non, hein. Ah, écoute, je sais pas, hein, je suis pas dans ta salle de bain. Je t'en permets. Et... deux fois par jour, bon, les gars, voilà, 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 voilà. Alors, c'est dessus, ça. Ah ouais. Moi, le matin et le soir, je lave tout ce qu'il y a des poils. Voilà. Mets-toi sur Majestic. Alors, en dessous de mes bras, ma nénette et mes orteils, parce qu'entre... Elle a oublié les poils de son cul. Parce qu'elle parle de sa nénette, mais du coup, j'ai un doute pour son cul. Ah, si mon trou de balle, il continue, tu vois, je passe là-bas jusqu'à derrière. Ah, miaou. Je suis tout en vie. Oui, parce que comme j'ai des problèmes avec mon épaule, je peux pas, par derrière, j'arrive pas. Je suis obligée de faire un je peux pas mettre mon poids. Ah oui, mais tu ramènes pas tout devant, hein, sur mon... Ah bah non, 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 je vais bien vivre les affections. Parce que c'est ce que j'ai prévu, non, 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 les filles, par mes copines. Je leur ai dit, chez moi, je vais venir avec Cyril. J'ai dit comme ça, je vais montrer le 15. Gueule qui disent que bah, j'ai rien. Je suis en excellent travail de complaisant. Non, non, ça moi, la semaine, il faut que je suis trop long. On doit être entre 0 et entre 20 et 40. Bah, du coup, j'ai dit, c'est pas grave, je vais te montrer. Je vais montrer, je vais voler pardon, la canne, elle va venir avec moi. Mais je ne pense pas que ce soit que à cause de ça. Quand j'irai fumer, bah, il va s'appuyer. Après, tu peux Mais un verre, si tu bois, c'est un verre. Oui, donc c'est un verre. On ne boit pas un verre. Ah, tu bois pas non plus, tu ne te bourres pas la gueule dans la semaine. Tu vas pas boire une bouteille. Non. Bon, bah c'est pas ça qui va te faire monter tes gammes AGT, Sébastien. C'est pas ça qui va te faire monter tes gammes AGT. Moi, je pense qu'à mon avis, c'est ton problème de cholestérol, peut-être, je dis bien peut-être, qui peut faire aussi monter les gammes AGT. Attention. J'ai mangé plein de pâté, c'est ça le problème qu'il y a eu aussi. Ah, bah ça, bah, le pâté, ça fait monter le cholestérol. Ouais, mais Lizzie, ça fait monter le cholestérol. Mais dans la journée ou dans la semaine, c'était la semaine d'après qu'il a fait cette crise de sang. Il a fait la... Non, non, c'était la semaine où on a mangé le pâté, là. On a mangé plein de pâté, là. Pendant deux semaines, on a mangé du pâté piquant, là, je sais pas quoi, là. Et ma fille, elle a zéro, hein. Enfin, généralement, du zéro, c'est pas bon. Non, non, elle a zéro dans un truc, non, non, dans le sang par rapport à ésophilie, je sais pas quoi, là. Oh, ben, c'est les... merde. Elle est au je suis en plein dans le champ. Elle en a trop ou elle en a pas? J'ai écrit un émoji. C'est pour ça, c'est... Tu vois, c'est pour ça qu'elle a mis un extrême. Ah ouais, ben, faut lui faire manger une fois la semaine des épinards. Je vais lui faire après quand? Je vais lui faire après quand? Tu l'as mis là pour un verre. Elle se prend pour une star, la meuf. Ah bah, écoute, les épinards, c'est pas ce qu'elle a plus de faire. Moi, en gros, j'allais... Non, non, c'est les lentilles. Les lentilles. Les lentilles. Le foie. Je vais te dire une chose. Moi, quand je mange des trucs qui ont du fer, s'il y en a trop, je fais des migraines. Je mange trop de mâche, le lendemain, je fais une migraine. Parce qu'il y a trop de fer, de la mâche. Il faut regarder dans les trucs. Ouais, ouais, mais le médecin, il me l'a dit. Les lentilles, je sais qu'il y en a beaucoup. Mais les gens ont été butés pour dire les épinards, c'est plein de fer. Ouais, bah, c'est par rapport à Popeye. À Popeye. Voilà, alors que sinon, c'est très restreint le fer dans les épinards. Mais la mâche, c'est plein de fer. Les abats, ouais, aussi, le foie. Et la mâche, c'est pas grave. Si je mange trop de mâche, je fais des graines le lendemain parce que si moi, tu veux, j'ai tu un peux en manger, j'ai un corps qui fait beaucoup de fer, donc je peux donner de mon sang à ta fille, elle va devoir du fer. Hein, parce que moi, j'avais deux. Du coup, tu lui as renvoyé. Ouais, et je lui ai envoyé ton numéro. Je pense pas qu'elle va envoyer un message. Moi, c'est une migraine, elles viennent de sang.
De quoi? J'ai des migraines. Après, quand je l'ai recoiffé, je ne l'ai pas revu. J'ai cherché, ah je l'ai pas revu. Ça y est, maintenant, j'en ai gratté. Il reste pas là, hein. Ah, mais les queues. Mais alors, parce que j'ai plus de shampoing un petit pouce, sinon j'aurais... Avant d'aller à l'école. Mais oui. Mais ça, j'en mets dans le chip-chip que je mets sur les cheveux. Lydie, la dernière fois, j'ai dit, pour éviter les poux, le shampoing à la pomme. Pomme. Oui, la mais la il faut pomme. En trouver du shampoing à la pomme verte nature. T'en trouves pas tout le temps. Moi, à Auchan, il y avait Doc qui faisait du shampoing à la pomme verte. Qui piquait. Oui, c'est ça, il faut le trouver, ce shampoing-là. Bah, oui, c'est le Dop, mais t'en as pas tout le temps. Tu regardes sur Internet, il y en a Amazon. Oui, mais t'as vu la différence de prix Amazon, Auchan et tout machin. Auchan, c'est cher. Bah, même Amazon, c'est encore plus cher qu'Auchan. Hein. Regardez, les prix fluctuent. C'est discount, c'est moins cher qu'Amazon. Mais après, je mets du... J'ai une bouteille de spray, c'était du démêlant, mais j'ai rajouté de l'eau, et j'ai de l'huile essentielle de lavande, et que je mets dans le spray d'eau. Au moins, comme ça, elles ont de la lavande dans leurs cheveux, tout ça. Mais écoute, tout à l'heure, j'ai eu une impression. Il ne faut pas mettre dans un spray d'eau, il faut mettre dans du vinaigre. Ah non, là, je l'ai mis dans un spray d'eau, c'est juste pour qu'elles aient l'odeur de lavande dans leurs cheveux, comme alors, ça, ça repousse. Alors, tu prends du vinaigre. Vinaigre, tu regardes lequel il est le mieux. Je vais certainement aller mettre de l'odeur de vinaigre pour partir à l'école. Mais elle est con, quoi. Et tu rajoutes des huiles essentielles. Le vinaigre, déjà, va faire briller leurs cheveux. Bon, ben, je rajouterai du vinaigre d'amande. Mais il faut regarder, parce que je crois que c'est un truc du genre vinaigre de framboise. Par contre, chez moi, j'ai un machin comme ça de l'huile essentielle de lavande, que je n'aime pas, je te le donnerai. Ah, bah, tu me le donneras, ouais, parce que moi, j'aime bien. Moi, j'en mets partout. Moi, j'en mets même sur leurs oreillers. J'en mets même sur leurs oreillers, parce que déjà d'une, ça enlève l'odeur. Et tout machin. Quand les gamins sont là, J'ai peut-être une arrière. Dis à maman. Arrête d'aller dans la cave. Peut-être dans la cave. Encore il y aurait des bouteilles d'alcool, je veux bien, mais il n'y en a pas. Tiens, maintenant j'ai lourd. Ton dos, c'est un aigle. C'est un dragon. C'est un dragon, elle l'avait mis sur Internet. Bah, certaine. Alors là, un dragon. Je sais pas dans son dos. Si. Si, hein. Si, là, c'est sur le dragon. Ah, si, c'est tout son dos, mais ça part dans le bas de son dos. Mireille. C'est parce qu'elle veut faire en petit. J'ai entendu dragon. Si, Tachi, même Sébastien, il a entendu dragon, il a dit c'est Mireille. Si, c'est un dragon. C'est Tati. Et avant, j'aimais bien quand elle l'avait fait. Ça fait trop masculin. Quand noir et blanc, en fait. Que... Oui, quand il n'y avait pas de couleur. Il n'y avait pas de couleur. Si il n'y avait pas de couleur, c'est affreux. Heureusement que je coupe le soir. Après, c'est pas un bon effet. Ah oui. Moi, je trouve que c'est trop vulgaire, ce qu'elle a fait. C'est pas assez fait. Au départ, elle voulait un passage. Hier, on m'a dit que je faisais toujours pas. Mais tu l'as déjà dit. Ah, tu l'as déjà dit. Non, j'ai dit... Il ne savait pas mon âge. J'ai dit, mon mari n'a pas su sortir mon âge. Bah, en même temps, non, parce que tu as même dit que tout à l'heure, t'as dit, hier, on m'a dit que je ne faisais pas mon âge. J'ai même répondu, ça dépend comment tu t'habilles. Non, voilà, je t'ai dit que je n'ai pas mon poids. Non, elle n'a pas parlé de poids, elle a parlé d'âge. Bah si, parce qu'elle arrête de boire du poids. T'as même dit, allez balancer un truc. Ta gueule. Et t'as même dit... T'as même dit, ouais, je lui ai répondu, t'as peut-être bu un verre de trop. Eh ben en fait, je parlais de mon poids, je parlais pas de mon âge. J'ai pas fait attention. Je parlais de mon poids. Ouais, j'avais dans ma tête. En fait, elle m'a dit, tu fais pas grosse. Bah non, j'ai même dit que je faisais pas grosse, qu'elle a dit que je faisais pas grosse. Ma gueule ou quoi? Arrêtez de boire, les vieilles. Ça va plus la troisième génération, là. T'as encore tes idées d'hier dans la tête, toi. Je sais pas. Quelles idées? T'as dit, hier, on m'a dit que je faisais bien pas ça. Mon âge. Après, je t'ai répondu, ça dépend comment tu t'habilles. Bon, dans tous les cas, elle a dit que je faisais pas mon poids et elle a dit que je faisais pas mon âge. Ah, terrible. Elle a encore fait des folies de son corps. Et du chien. Tu l'aurais fait avec un autre. Moi aussi, c'est toi qui as un tapioca. Du coup, je mangeais après. Tu es un Lucien. Du coup, je vais investir encore plus dans des objets sexuels. Des objets sexuels. Qu'est-ce que c'est que les objets sexuels? Bah. Hey, j'ai trouvé. Faut que je coupe le ton, hein. Ah, mais non. J'ai trouvé une clé en molette. Y'a pas d'enfant, y'a pas d'enfant. Ouais. Non, mais y'a rien à revisser chez moi. C'est une clé en molette. Elle est noire. Elle est au bout, ça descend. Oui, asseyez-vous. Hé, je crois que j'ai vu ça.
Attends, t'as dit. Mais mamie, mais ma maman, la nana, elle supporte plus. C'est pas ça. C'est un chevreau, toi. Oh, attends, deux minutes. Putain. Oh putain. Il aime pas, lui. De quoi? Il n'y a pas de chevreau dans le vermicelle. Non. Un chevreau? Le chevreau? C'est quoi, chevreau? Le baise! Oh, ça y est, putain, t'as fait mon moment. Oh là là. Oh. Allez, du cœur! Sticky de d'appart. D'un meurtre. Du coup, je me sens obligée de sourire. Perturbée. Attends. Donc, c'est un muet. Ouais. J'attire. À tout? C'est très bien. Merci ma chérie. C'est compliqué de réfléchir. Tatoune, elle en boit pas. Faut pas trop réfléchir. Mon ami Catherine, Tatoune, Tatoune, ouais, bah, je sais pas c'est qui ça, Tatoune. Ma reine, pardon. Non mais où? T'as moi. Mamie, elle dort. T'as moi. T'as moi. Tout cœur. C'est à moi. À tout cœur. C'est l'effet, tu sais. Bon. À tout cœur, je mets du pic. À tout cœur, elle. Ça va aller. Ouais, mais ce que j'ai d'un jeu, hein. Bon, tout va bien. C'est ma partenaire. Oh, ouais, mais après je te montrerai le jeu. Ouais, bah, ah bah oui, après c'est sûr. Ah bon. C'est le carreau demandé, hein. Un coupier, un coupier, un coupier. Donc à tout pic, et on va commencer. Un sucre ou pas? 49. Merci. Moi je veux bien, il a dit je veux bien faire une place avec de l'eau dedans et mettre au micro. Une tasse d'eau chaude, sans problème. Maquillage, elle me vole mon déodorant, elle me vole mes crèmes, elle me vole tout. Incroyable, elle est pire que ce marraine là-dessus. Pire que ce marraine. Je vous croyais, après celle-là, je m'en ai fumé. C'est ce que j'allais dire, d'accord ou pas d'accord, c'est la même chose. Nous sommes à combien, très cher? Mets ton écharpe. On fait froid, chérie. Ah oui, mais marraine est sortie non habillée.
Je dis rien parce que Gladys, quand tu... elle a un poil. Quoi? Gladys, elle a ce manteau grand ouvert. Tu fous de ma gueule, quoi. C'est pas d'écharpe, t'as rien du tout. Je vais faire une clope, je vais remettre de l'ordre. Non, parce que quand tu es là, moi j'ai plus d'autorité. Une. 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 Comme ça. Une. Deux. Fermez le manteau quand tu rentres. Parce que dehors, c'est vrai que c'est grand ouvert, c'est mieux. Deux pour moi, Lydie. Deuxième tour. Deux. Tu voudrais faire un petit peu de moi, là? J'ai neuf. Donc voilà, je vous ai mis la séquence qu'on a passée du dimanche chez maman. Là, mon mari et Morgane vont rentrer les plantes parce que ben, même que j'ai pas eu le diagnostic du médecin, mais que l'échographe m'a donné son diagnostic, je commence à ne plus porter parce que autant commencer le traitement tout de suite pour ne pas le faire trop tard. Donc ça, je vais allumer le PC aussi pour pouvoir après monter le vlog d'aujourd'hui. Si je peux, ben, je vous le fais aujourd'hui, sinon ben, tant pis. Ah, deux minutes. Je vais aller fermer ma fenêtre parce que sinon il va gueuler. J'aime bien dormir dans le froid. Mais lui aime bien dormir dans le chaud. Voilà. Maman, t'es où? Je suis partie. Bah quoi? Maman, il y a des feutres. Bah il était là. Il était là. Maman, est-ce que t'as... Non, 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 on va aller se laver quoi. Elle a pas mis son manteau. Ah, de l'ADN. Donc voilà, là je vais allumer le PC. Bon, on a encore passé une bonne journée chez maman. Il fait bien froid. Monsieur, il y a très froid. Alors, il met son bonnet dehors comme dedans, tellement il a froid. Enfin. Et oui, donc je commence déjà à faire ça. Demain, il faudrait que je fasse peut-être mes mains. Ouais, je vais peut-être faire mes mains demain. De toute façon, il faut que je filme une vidéo pour ongles. Il faut que je prévoie une vidéo pour les ongles. Il faut que... Enfin, j'ai plein de vidéos à faire, à monter. Faut que je me fasse un petit planage, voilà. Et ben, il va quand même falloir que je nettoie la maison. Je vais avoir besoin d'aide étant donné que je peux pas trop faire aller mes bras. Il va falloir que je trouve une solution parce que je peux pas rester comme ça à demander. Ma mère elle me disait ouais, du coup tu vas plus rien foutre. Mais ben, c'est pas que je vais plus rien foutre, c'est que je dois essayer d'en faire le moins possible. Donc pour ça, il faut que tout le monde participe parce que si ma convalescence dure trop longtemps. Enfin voilà, il faut pas non plus qu'elle dure non plus trop longtemps. Donc j'espère que je vais avoir un rendez-vous chez le médecin demain. Comme ça, il va me dire vraiment les trucs à faire. Je vais certainement avoir des anti-inflammatoires. Et on verra s'il me donne du kiné ou pas. Là, j'ai tiré au sort le livre que je dois lire prochainement. Parce que c'était dans le défi du calendrier de l'avant du FFF. FFC. Je vous ferai la photo, la vidéo incessamment sous peu parce qu'il faut vraiment que je vous la fasse, étant donné que le challenge a bien commencé, les challenges ont bien commencé. Et puis voilà, tout simplement. C'est comme ça que ça se termine aujourd'hui. Vous avez vu un petit peu une journée type chez maman. Bon, mon téléphone s'est éteint au moment où on mangeait le bouillon de langue. Vous avez vu quand on était en train de manger l'entrée, donc en fait c'était un velouté d'asperges pour nous. Et mon mari et ma grand-mère, et ma tante, je crois. Non, et ma grand-mère. Et Morgane, c'était du vermicelle dans le bouillon. Et puis nous, après, ma mère, elle a coupé la langue, elle a fait on a mangé des légumes, des pommes de terre à l'eau et de la sauce mousseline. En fait, c'est une mayonnaise dans laquelle on met des échalotes, du sel, du poivre, bien sûr. Et les blancs, en fait, on ne les jette pas, on les monte en neige. Et on mélange le tout avec du persil et c'est délicieux manger ça avec la langue, c'est délicieux. Donc voilà, et ma soeur, elle avait fait des tartes. De toute façon, je vous ai montré dans la vidéo. Vous l'avez certainement vu, que j'ai mangé un bout de tarte aux pommes. Et elle avait fait aux pommes et au sucre. Et mon mari a mangé au sucre. Voilà, voilà un petit peu le topo d'aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse. Et puis, on se retrouvera demain, comme d'hab. Allez, des gros bisous à tous. Et puis, à demain. Bye.